Je suis très heureux de recevoir la ministre espagnole de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. L'Espagne est un pays ami. Nous avons eu le privilège de recevoir dernièrement la visite de Sa Majesté le roi Philippe VI et de la reine Letizia, qui ont reçu un accueil chaleureux de la part de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de la famille royale. L'Espagne est notre premier partenaire économique et commercial, aussi bien à l'import qu'à l'export. Nous avons bien entendu un passé commun et nous devons construire un avenir commun grâce à ces relations privilégiées que nous avons entre l'Espagne et le Maroc. Sur le plan touristique également, il faut qu'on crée davantage de synergies, de complémentarité pour offrir à ceux qui viennent de loin aujourd'hui un produit commun entre l'Espagne et le Maroc. Le forum qui se tient aujourd'hui est une nouvelle occasion pour permettre aux acteurs économiques du Maroc et de l'Espagne de faire le point sur leur coopération et d'envisager et d'entrevoir des nouvelles opportunités. Ça a été le cas aujourd'hui pour parler du développement territorial à travers la coopération entre une région, la région de Casablanca-Stat, et divers acteurs économiques espagnols, sachant que la région Casablanca-Stat abrite déjà la moitié des acteurs espagnols présents au Maroc. Et par ailleurs, l'occasion de parler de certains secteurs, et le secteur des énergies renouvelables a été parmi les secteurs phares évoqués aujourd'hui, dans le sens où le Maroc dispose d'une vision ambitieuse, d'une vision reconnue à l'échelle internationale, qui d'ailleurs s'est déjà déployée, et son déploiement était l'occasion d'implication fructueuses d'entreprises espagnoles qui ont bien coopéré avec leurs homologues marocains à travers notamment des transferts de savoir-faire. Et de l'autre côté, nous connaissons l'expertise et l'histoire de l'Espagne dans ce domaine qui peut être réinvesti dans des projets communs et notamment à l'échelle continentale. Merci. Muchas gracias y estamos de nuevo en Marruecos para seguir reforzando nuestras relaciones comerciales y de inversión. Dos países amigos, dos países que comparten también una cultura común y donde el gobierno de España está intensificando la presencia para acompañar a la empresa española en el desarrollo que está teniendo Marruecos en sectores tan importantes como las energías renovables, el sector de automoción, también todo lo que tiene que ver con la maquinaria industrial o el agroalimentario. Sin duda, Marruecos y España tienen unas grandes complementariedades y sinergias y con el foro lo que buscamos es que las empresas españolas presenten sus proyectos, que conozcan mejor cuáles son las inversiones que se van a desarrollar en los próximos años en este país y poder ayudar a Marruecos a seguir creando riqueza y empleo y bienestar con esa experiencia que la empresa española tiene, una empresa además en la que se puede confiar y en la que la experiencia de las que ya llevan en Marruecos mucho tiempo nos confirma que la presencia de la empresa española acompaña al desarrollo de Marruecos y desde el gobierno estamos impulsando este foro para que haya ese conocimiento del mercado marroquí, de la empresa marroquí, y buscar colaboraciones mutuas para seguir contribuyendo al bienestar de este pueblo.
Merci.